Yo les gens, ici Rafi 116 de 50, on se retrouve pour le 116e épisode sur LGT League de Grand Tourist Sport, Ligue de pilotes professionnels. On continue notre Midship Challenge. On va prendre le circuit d'Interlagos au Brésil, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et on va prendre comme voiture la Venom 14. Donc c'est celle qui ressemble à la Zentorno dans GTA V. Donc on va prendre cette véhicule-là du coup. Il me semble que sur ce circuit-là, il y a moins de cours. Je me demande s'il n'y a pas 6 tours, il me semble. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 6 tours. Comme c'est un circuit assez long. Bah, j'espère qu'un jour ou l'autre, nos Gran Turismo, ils vont nous rajouter le circuit de Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne, quand c'est la Formule 1. Ah non, c'est 8 tours. Ah, autant pour moi, c'est 8 tours. Du coup, je regarde s'il y a des réglages à faire. Normalement, non, il n'y a rien à faire. Allez, c'est parti. Lamborghini Venom. Vraiment belle, je trouve. En plus, avec un skin. C'est un skin, ça, c'est pas d'origine. Avec un petit skin Ray-Ban. Avec quelques marques dessus aussi également. Attends, j'ai pas freiné. Je suis en train de regarder ma vue derrière et je freinais pas. Ah, batterie faible déjà, putain. Oh, recharge ma manette. Je vais recharger ma manette tout à l'heure. J'ai assez de batterie pour faire mes captures là. J'ai encore 3 captures à faire à peu près. Donc j'ai largement assez. On va se mettre en vue interne si vous voulez voir un petit peu la vue interne, ce que ça donne. Beau petit bruit je trouve, hein, beau petit bruit. Hein. Après, la petite Lamborghini Countach. C'est une ancienne. C'est pas la première modèle, mais c'est une ancienne quoi. Avec l'Audi R8. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais. Je suis parti en. Ah merde, en cacahuète. Ah c'est bon, j'ai réussi à les doubler les deux là. Bon, l'autre, il est parti dans l'herbe. Sur l'Audi R8. Donc cette vidéo-là arrivera, parce que je vous ai fait 3 captures aujourd'hui, du coup cette vidéo-là arrivera mercredi, voilà. Cette vidéo-là, ce sera la vidéo du programme du vendredi, du mercredi. J'ai aussi des vidéos PC Building à vous publier, j'en ai 2 d'avance, que je vous ai capturées ce week-end, qui devraient arriver prochainement aussi également. J'ai pas mal de contenu à vous publier, c'est ça qui est bien. La chaîne n'arrête pas malgré qu'il n'y a pas de nouveaux jeux. Ah, la petite RCZ. Allez, pousse-toi là, pousse-toi. T'as l'accélération qu'elle a, regardez. Ouais, je suis 11e. J'ai repris du temps sur mon tour précédent, et normal. Je suis pas croûté dans le virage tout à l'heure. Ah, là, c'est la Citroën, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Citroën, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une Citroën, mais. Ou c'est by Citroën, je sais plus ce quoi, c'est un concept, celle-là. Oh bah là, j'aime bien aller dans l'herbe. Hein. Ils aiment bien aller dans l'herbe, c'est leur péché mignon d'aller dans l'herbe. Donc là, on a là, une Ferrari, et devant, on a la. La NSX, la dernière sortie en date. La Honda NSX, c'est vraiment une bonne voiture. Je la trouve assez stylée et assez belle. Ils aiment bien aller dans l'herbe. Hein. Vous voyez, pour vous dire que les pneus, c'est pas vraiment top. C'est pour ça que ça me gêne un petit peu, moi. Pas enfin, ça me gêne un petit peu, mais. C'est un peu gênant, c'est. Ça vous enlève un petit peu le. L'expérience du jeu, quoi. Parce que les pneus sont pas vraiment bien, quoi. Moi, j'aurais préféré qu'on puisse choisir nos pneus qu'on veut, quoi. On va essayer de battre notre temps, si on peut battre notre temps.
Donc c'est 1 minute 45. Ah bah on l'a battu en plus le tour précédent. Ah là là! Je sais pas ce qui s'est passé là, mais je suis pas assez freiné. Heureusement qu'il y a ce truc là. Hein. Donc là devant, c'est une. Comment on appelle cette voiture là? McLaren. Après, je sais plus c'est quoi, mais c'est une McLaren quoi. Ça, je sais que c'est une McLaren, mais après, vous dire c'est laquelle. Là, c'est écrit derrière, non? La S50S. 650S, excuse-moi. Là aussi, c'est encore une McLaren devant. Ça n'a pas été la même. Alors, celle-là, c'est quoi celle-là? Ah, bah, c'est pas écrit. Allez, on est quatrième. Faut rester sur notre lancée à la F1, celle-là. McLaren F1. C'est la McLaren F1, celle-là. Alors, rien à voir avec la Formule 1, il me semble. À moins qu'elle ait un moteur de Formule 1 dedans, mais ça m'étonne rien. Ah, bah, il y a sa petite sœur à ma voiture. Juste là. Où ça passe? Avec l'Aventador que devant. Donc du coup on n'a pas, pas. Ah bah non, il n'y a pas la Yura du coup, cette fois-ci. On n'a pas la Yura ou même la. On a battu notre. Ah on a battu notre temps, on va essayer de rebattre un. Rebattre ce tour, sur ce tour-là notre record. On va essayer de se concentrer. Ah, ça passe. Ça passe. Enfin, j'anticipe mon freinage. Ça glisse un petit peu, mais on est rentré dans le virage. C'est passé quand même. On va essayer de le prendre de l'intérieur, celui-là. Avec la petite glissade, là, qui va bien ou pas. Ah, ça passe. C'est juste, on meurt dans le vibreur, mais ça passe, quoi. Là aussi, c'est bon. On est passé. Par accélérer dans le virage. Ça, je vous conseille franchement de faire les écoles de conduite dans Grand Tourisme, comme ça vous explique bien quand réaccélérer dans les virages, tout ça. Bah, c'est pas. Explique bien, mais. Bah, je pense peut-être rebattre notre temps cette fois-ci. On va bien voir si on va battre notre temps, mais je pense qu'on peut le rebattre. Disons, on a 800 centièmes d'avance. Donc, on est très bien. D'accélérer à fond là. Dans ce virage là, j'ai compris comment bien prendre le virage là pour sans ralentir. Ah bah là, je me suis foiré. Malheureusement. Je pense que je vais pas pouvoir avoir un meilleur temps. On va bien voir. Ah oui, 355 centièmes. On va essayer de continuer sur notre lancée. De battre les records à chaque tour. Bon, on n'est pas très bien parti là. Là, ça freine bien, ça le fait. Oh, ça passe. J'ai perdu trop de temps. Oh, j'ai oublié de freiner, le con. Oh, c'est bon, j'ai quand même bien pris mon virage. Même si c'est pas top top, mais c'est quand même bien, quoi. Là, on va savoir dans les bientôt, dans le temps, si on est bien ou pas. Là, on l'a mieux pris ce virage là tout à l'heure. On avait bouffé les vibreurs. Voilà. Hop. La petite aide à la trajectoire, vous voyez ça? Ça, les petits trucs bleus, c'est où vous devez prendre vraiment votre trajectoire. Là, faut se mettre à l'intérieur. Merde, à l'extérieur et reprendre l'intérieur. Mais je suis croûté. Ouais, c'est mort là ce coup-là. Je pense pas que je vais battre mon record. Pour le prochain tour. Non, on est à 547 centièmes de retard. Donc là, sur ce tour-là, c'est un tour dans le vent. On va essayer de le prendre comme ça, regardez. Voilà, c'est bon. Faut le prendre comme ça, le virage. Au moins le prendre à l'intérieur. Moi, je pense pas qu'on va gagner du temps, mais... Non, 700 centièmes de retard.
On va essayer de battre leur temps là ce coup-là. Ouh, j'ai freiné trop tard. Voilà, c'est mort. À mon avis, c'est aussi un tour dans le vide. On va bien voir par rapport à la ligne droite là. Ah non, on est à 200 centièmes d'avance. Bon, on va essayer de bouffer l'herbe, tant pis. Il reste deux tours. Oh bah là, pff. Là je suis parti là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis parti. Voilà, bon, j'ai pris le plou avec moi quoi. Ouais, qu'elle est vraiment belle celle-là, comme véhicule. Vraiment stylé, je trouve. Bon, là, je suis mal. Ouais, c'est bon. On peut le prendre aussi comme ça, le virage. Putain, il demande déjà à freiner, le mec. Ah ouais, bah non, c'est pas faux. Là, on a bien fait la chicane, là. On l'a bien négocié. On peut se faire un bon temps si... Si on gère bien, on peut faire un bon temps. On va freiner tout de suite. On est... Ah non, on est en retard. Attends, j'ai bien pris ma chicane, c'est bizarre. Je ne vais pas être si en retard que ça, normalement. Bizarre. Un peu bizarre quand même comme truc. Alors accélère. Voilà, là on a bien fait nos virages. Je pense qu'on a peut-être gagné du temps là cette fois-ci. On va bien voir par rapport au prochain time light. Ah, on est bien, 800 centièmes d'avance. Peut-être battre notre record, peut-être. Si on accélère bien dans le virage là, peut-être battre notre record. Oh oui, ça peut être faisable. À mon avis, c'est faisable. On peut le battre normalement. C'est faisable de chez faisable. Ah, par contre, battre ce record-là, ça va vraiment être dur. Une 41 et quelques, ça va vraiment être dur. Je sais de le battre, mais je suis pas sûr de le battre. Ça va vraiment être chaud. Faudra vraiment avoir de la chance. Hein. Et faire vraiment un truc parfait, quoi. On va freiner tout de suite pour être bien. Et pouvoir accélérer dans le virage là. Comme ceci. Ouah non, c'est pas terrible. C'est pas top, c'est pas aussi bien que tout à l'heure. Ouah non, c'est pas terrible. C'est même désastreux. Ouah non, ça marche quoi, à mon avis. N'empêche, on n'est pas très. Ah c'est bizarre, aujourd'hui ma console elle. Là-dessus, je l'entends tout le temps, mais là, c'est vraiment pas de bruit. Je pense qu'il fait moins chaud. Hein. Il fait pas très chaud dans l'appartement, là. Bah, j'ai même de l'air, même. Je sens même de l'air, même. C'était pour ça que la console chauffe pas trop. Ensuite, elle souffle vraiment ses poumons. Non, bah, on est vraiment bien. Mal, je veux dire. On est vraiment très, 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 très mal.
Voilà, course terminée. Bon, la course assez facile celle-là. Hein. Il n'y a vraiment pas de. On va dire qu'il n'y a pas eu de concurrent, on va dire. Vous voyez, franchement, Venom, qui était 14e, quoi. Qui était 2e, je veux dire. Il n'y a même pas eu la Yura, il n'y a même pas eu comment ça s'appelle? Mega T-Viral. Donc, pour vous dire. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Bye, porte-toi bien, peace.